Non. Blanc. J'ai dit blanc. Non. Elle a venu qui? Mon gars, il est souvent. Il est des soubaris. On prend son corps pour faire soubara. Sinon, il est ma soubari. C'est quand même. Voilà. Elle n'est pas sorcière. Non, je vais régler le problème. Non, doucement. On m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. Moi et sorcier, on n'est pas camarades. Je ne marche pas avec sorcier. Mais on prend sa peau pour faire la sorcellerie. Oh, laisse-moi régler. Je n'ai pas appelé tout le village. Non. Même la fille, elle voit ton visage. Mais ce n'est pas pour toi. Il faut la comprendre. Non, il faut qu'on explique ça bien. Ce n'est pas parce qu'on dit que la fille est mort. Mais la fille, c'est ton visage qu'elle voit en sorcellerie. Non, je suis en train de régler un problème qui est très sérieux. Je sais que c'est en train de vous perturber dans la famille. C'est en train de vous perturber. Et appelez-moi la fille. Awa. Doucement. Nous, les doulas, là, on est trop chaud. Comme on aime manger riz chaud, là. C'est dans nos sangs. Viens, ma fille. Ça va? Pas parce que ce que tu dis est faux. Tu comprends français? Mais on prend le visage de ta maman pour t'attaquer en sorcellerie. Il faut attraper ta main. Il faut le faire. C'est moi qui te demande ça. Oui, mais c'est normal parce que c'est sa maman qu'elle voit. Non, si. Si. Mais on attend de régler ça. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des musulmans. Hein. Je pourrais régler ça comme je veux. Hein. Mais chez moi ici, je suis trop juste. Non, Awadji. Non, si, on va régler ça. Je suis en train de régler une injustice de la sorcellerie. La fille, ils lui ont fait des choses. Effectivement, quand je te vois, ils t'ont habillé en sorcellerie. Partout, ils vont te dire que tu es sorcier. Non. Moi, il y a ce don-là. Si il dit telle personne n'est pas sorcière, elle n'est pas sorcière. Si tu es sorcier, tu ne quittes pas ici. Tu ne bouges pas. Doucement. Hein? Ça va se régler. Ça va se régler. Tu as compris? Tu as compris? Écoute-moi, regarde-moi. Tu veux que ça se règle? Okay. Je suis en train de régler ton dossier. Ça va se régler, d'accord? Toi, ne parle plus. Tu as compris? On va régler le problème. Je dis, je ne suis pas quelqu'un, je suis comme ça. J'étais là, Dieu me parlait de toi tout à l'heure. Dieu me parlait. J'ai fait passer le scanner, c'est venu 3, 1. C'est comme une aiguille, 1, 2, 3. C'est qu'ils t'ont accusé de sortir un vêtement de sorcier. Si ça arrive, si les 7, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 7, ça prend, c'est sorcier. Ça remplit ma tête, c'est sorcier. Ça ne se discute pas. C'est un don qui est à moi.
Et le Seigneur dit, touche ce dossier-là parce que c'est important. Prends le dossier maintenant. Parce que c'est un dossier qu'on tente de brûler toute la famille. Vous serez délivrés aujourd'hui. Et puis je vais vous dire d'où vient la sorcellerie. Je vais vous dire ça. Ça sera clair dans votre tête. Il faut dire encore pardon à ta maman. Gina Wayo, Okamo Wazile, Lago Gina Wayo, Gina Wayo, Gina Wayo, Okamo Wazile, Lago Gina Wayo, Gina Wayo, Gina Wayo, Okamo Wazile, Lago Gina Wayo, Gina Wayo, Gina Wayo, Okamo Wazile, Lago Gina Wayo. Si on a mio, on camo asile, la go si on a mio, yeah. Si on a mio, yeah, on camo asile, la go si on a mio, si on a mio, si on a mio, wa, on camo asile, la go si on a mio, si on a mio, si on a mio. O kamo wazile, kina wali. O kamo wazile, lago kina wali oje. Kina wali, o kamo wazile, lago kina wali. Kina wali o, kina wali, kamo wazile, lago kina wali. Si onamio. Vous allez tous passer au scanner. Avant de quitter ici, on saura qui est qui. Si tu es sorcier, on va te délivrer. Tu n'es pas sorcier, on t'aidera à rentrer dans ta bénédiction. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, je n'accuse ni la fille, ni la mère. Mais la chose qui se passe sur le plan spirituel fait que la fille, elle a peur. Ça crée une méfiance. Parce que sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse. Tu as joué un sorcier, tu es dans une marmite. Sans jingle, il te mange. Vite fait. Voilà. Donc, c'est la chose qui s'est passée qui a créé ça. Or, il faut venir vérifier. C'est ce qu'ils ont fait. Elle est musulmane. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on corrompt. Facile. On ne peut pas me corrompre. C'est un don. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu es dedans. Si tu veux discuter, mais je te dis que tu es sorcier. Et ça, je ne joue pas ça. Je m'amuse. Si tu veux discuter, mon dessin, tu es sorcier. Et ça, je vous avertis, hein, quelqu'un n'a qu'à discuter avec moi. Il a 3 jours. S'il n'est pas mort, je ne suis pas prophète Krasso. Là, on est venu dans la croisade. Tu as discuté 3 jours. Tu n'es pas mort. Il faut dire à tout le monde que je suis la Saint-Antoine. Je peux m'amuser ça. Quelqu'un n'est pas sorcier, il ne faut pas qu'on vienne nous coller à la sorcellerie. Voilà, il faut qu'on règle ce problème-là parce que Satan de détruire votre famille. Voilà, et Satan, ça va se régler bien. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Il y a un temps où le diable règne et puis il y a un temps où Dieu met la justice. Amen. Le mensonge va beau traîner. Dévancer, mais la vérité finira toujours par la fin. La maman joue là, là, ça va? Allons là. Ça va, ma fille? Qui sont ses parents? Moi. Je vous informe que c'est les musulmans. Hein. Ça ne nous empêche pas de prier pour eux. Le don là, qu'on a reçu, ce n'est pas pour seulement pour les chrétiens. Si les musulmans ont problème, on les délivre. Moi, j'ai délivré la plupart des musulmans de New York. Ils sont bien gentils, les messieurs. Quand ils croient en vous, ils croient en vous. Hein. C'est nous les chrétiens. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire merci. Afrique Vision. Voici M. Dosso et Mme Dosso. C'est à cause de ce couple musulman. C'est un couple musulman qui me découvre, ça fait 2 ans. Et c'est grâce à eux, je suis rentré à l'ONU, et grâce à eux, l'ONU me considère aujourd'hui, grâce à eux, tout New York s'est impliqué
dans mon programme. Pendant que les pasteurs m'attendent qu'il va faire malin. Ils l'ont dit ça après. Donc, ils ont boycotté tous les pasteurs ivoiriens. Dans tout New York, ils interdit les gens à venir à ma croisade. Mais à leur grande surprise, j'étais le prophète, un homme ivoirien qui a rempli plus de salles depuis qu'ils existent à New York. Les chrétiens fuyaient. Frère, sorcellerie. Il y a ce qu'on peut te dire, mais toi-même tu vis ta chose. Ils ont dit, oui, on a compris, mais ils sont cachés sur le lit. Chacun a son problème. Il ne faut pas venir dire, pasteur, j'ai compris, je ne vais pas venir chez le prophète. Mais ils sont venus dans la salle. Même les diacres sont venus dans la salle. Il y a eu plus de monde. Ils ont réclamé encore la croisade. On a relancé, on a eu plus de monde dans la salle. Sorcellerie, là, chacun sait ce qu'il vit. Ce n'est pas parce qu'il a dit, non, comment, comment. Chacun sait ce qu'il vit. Donc, j'en propose pour dire merci au coup, monsieur et madame Dosso. C'est ces personnes-là qui sont venues autour de moi et qui m'ont aidé. Je suis allé voir l'ambassadeur de l'Union africaine. C'est grâce à eux que j'ai participé à la journée africaine. C'est grâce à eux. Je suis rentré à l'ONU. C'est grâce à eux. Et c'est cette chaîne. C'est des musulmans. Ils croient à ce qu'on fait. Et ils m'ont aidé. Et ça a permis à d'autres personnes qui venaient doucement comprendre. Ils disent, on va voir ce qui s'est fait. Mais ils ont vu un grand miracle. Tout New York en parle. J'avais un petit qui avait le cancer. Il est né avec le cancer. Ils ont amputé le pied, le bras du petit. Le cancer, ils ont amputé. Et dans ce temps, s'il était sur un traitement, le cancer était en train de gagner le cœur. Et le Seigneur m'avait dit de prier pour l'enfant. Et je retrouvais l'enfant. Parce qu'ils sont venus en salle, j'ai pas pu le faire. Donc on a relancé. J'ai prié pour l'enfant. La médecine, tous les médecins américains détectent que le cancer a disparu dans le corps de l'enfant. Avec mes témoignages, et j'ai dit gloire à Dieu. C'est des personnes douloureuses. Gloire à Dieu. J'ai dit, je crois à mon appel. Quel que soit ce que vous allez dire, moi je crois à mon appel. Voilà, donc ici, ce n'est pas une question de si tu es musulman, tu as besoin d'être sauvé par Jésus. On va te sauver. Je suis passé par l'islam. Voilà, donc, et moi, mon chauffeur, c'est un musulman. Je suis parti avec lui à Guinée-Conakry. Je m'attends mieux à lui. Je m'attends à lui. La religion, ça ne doit pas nous séparer. Voilà, ça ne doit pas. Moi, je crois en Jésus. Je sais qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais ça ne m'empêche pas de parler avec un musulman. Ça ne m'empêche pas de dormir avec lui. J'ai ma conviction. Et c'est Dieu qui convainc. Il dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Comprenez très bien. Personne ne peut convertir une personne si Dieu n'est pas la base de ça. Donc, reste tranquille. Si tu penses que Jésus est vivant, priez pour les gens. Mais ça ne peut pas vous empêcher d'être ensemble. Il ne faut pas que la religion nous sépare. C'est une condition, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme. Il dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père me l'a dit. Amen. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez être patient et vous allez aider les gens dans la prière. Amen. Donc, l'amour surtout. Oui, l'amour. Voilà, l'amour. Et merci. On a abordé le sujet, c'était vraiment très important, le sujet d'hier, parce que je sentais, Dieu me parlait pour dire, le problème que vit cette dame et toute la famille, c'est tellement sérieux. Et qu'il faut prendre le sujet maintenant parce que c'est un problème de sorcellerie. Mais la fille a raison. Je vais expliquer sa raison. Parce que normalement, si quelqu'un n'a pas le don que j'ai, il va te prendre comme sorcier. Il va t'attraper. Bon, ils ont demandé de ligoter les gens. Nous, on a l'amour. Parce que tu réflexes, c'est-à-dire tu as l'odeur de la sorcellerie. Mais tu n'es pas sorcier parce qu'on t'a habillé de telle sorte que les gens te fuient. Moi, je sais faire la part des choses. Celui qui est sorcier ou pas, le don que j'ai, c'est comme ça. Tu es venu me voir une fois. Est-ce que toi et moi on a parlé? Mais c'est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour. Je ne suis pas là pour. Moi, je ne suis pas la sorcellerie. Tu es sorcier, tu es sorcier. Peu importe comment tu vas apprendre cette information de ma bouche. Peu importe. Même si tu penses que c'est trop dur ce que tu entends, je t'ai dit. Un chien reste un chien. Tu es sorcier. Tu acceptes ou pas, mais tu l'es. Au moins, je t'aurais déjà averti. Mais quand quelqu'un n'est pas sorcier, il faut le dire. Voilà. C'est comme le petit là, il y a un petit. Où il est le petit là? Petit. Voici un petit là. Toi, tu viens, tu es grand sorcier et toi, tu es là. Oui, je suis sorcier, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Après, il parle. Il ne sait pas ce qu'il fait. Toi, tu es un véritable sorcier et puis un dangereux amateur de sorcellerie. Faut le filmer, voici là. Très dangereux en matière de sorcellerie. Lui-là, il est très, très, très dangereux. C'est un monstre. Il est même un monstre, je précise, avec beaucoup de précision. C'est quelqu'un qui a tué 300 personnes. Il est très dangereux en matière de sorcellerie.
train de sorceller. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne joue pas. Quand vous venez, j'ai tous les dossiers dans les moindres détails. Voilà. Il paraît que son homme, son beau-père est venu le montrer. Patati patata. Moi, je ne suis pas là pour des petits détails. Si tu es sorcier, tu es sorcier. Tu ne peux pas changer. Ah ben, tu t'en vas. Et le châtiment de Dieu s'abattra sur toi. Je vous ai montré le film d'une jeune fille que j'ai récupérée, qui m'a même attaqué à ma tête de sorcellerie. Je l'ai même récupérée et regardez comment son aspect physique a changé. Je vous ai montré son témoignage. Nous croyons à l'amour de Dieu et nous croyons à la puissance de Dieu. Pour nous, Dieu est amour. Peu importe tes erreurs, peu importe ta sorcellerie, Dieu peut te récupérer. Si tu reconnais, il peut te récupérer, te façonner. Nul n'est juste sur cette terre. C'est vrai que c'est la sorcellerie, ça fait peur. Mais il y a beaucoup de péchés que chacun d'entre nous fait. Et on a la miséricorde de Dieu. On a vu cette jeune dame, son mari même l'a envoyé faire sa délivrance. Les aveux, ils ont péché. Pour nous, c'est une méthode, c'est un remède. Il faut forcément passer par des aveux publics. Voilà, donc les gens, ils prennent le courage, ils en parlent parce qu'ils veulent être débarrassés de la sorcellerie. C'est pas de l'amusement. On dit, tu manges les gens. Et puis toi, tu veux qu'on joue ça. On n'a qu'à te cajoler. Pourquoi? Tu as tué. Donne-nous la possibilité de t'aider. Tu ne veux pas être aidé. Bah, la miséricorde de Dieu a des limites. On dit Dieu est amour, mais il a à la fois un feu dévorant. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a plein, pas mal de gens que le Seigneur a tués sous nos yeux. Parce que les gens refusaient de parler. Donc, la jeune fille, ta fille, elle n'a pas eu tort. Frère, on dit quelqu'un est sorcier. Tu vas le fuir. Tu vas aller dans mes lui. Si tu es dans la sauce arachide, elle est tôt. Mais j'aime moins sauce. Tigana, avec ta broue dedans, elle est tôt pour bien te manger. Elle dit, fuit. Vous comprenez? Donc, la fille est dans cette position-là. Elle n'a pas cette capacité de détecter ça. Mais elle a l'information que dans le moment, elle est sorcière. La première chose, c'est de fuir. Parce que c'est comme ça qu'elle se protège. Voilà. Et heureusement qu'ils sont venus dans la maison de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui va maintenant éclairer la situation pour dire, ah non, voici la chose. Donc, je vais parler à sa maman, je vais parler à sa famille. J'aimerais que la fille, après ici, qu'elle ne soit pas objet de maltraitance. Pour pas vous dire, ah non, non, je parle. J'ai des secrets, ce que vous dites devant nous et ce que vous faites après. J'ai beaucoup d'expérience dedans. Non, laisse-moi appeler dedans. Non, j'ai expérience. Il y a des gens ici, ils viennent de parler. Non, on va le laisser. Non, il est prophète, tu l'as délivré. L'enfant donne le chicote dans son oeil. Non, quand je suis dans la chambre, il pense que c'est le petit là qui a tué mon enfant. Je ne peux pas dormir. L'enfant prend plus long, on va le taper dans le sommeil. Non, on a vécu les choses ici. Donc, si vous êtes convaincu que vous n'allez pas la renier et la faire soi, comme on appelle chez nous, fauteuil blanc, pour dire, mais attends, tu as accusé ta mère à toi à travers, moi je peux aider, mais si vous ne voulez, vous n'êtes pas prêt pour ça, ça veut dire, si vous faites ça, Dieu va vous châtier. Parce qu'elle, elle cherche à se protéger. Elle cherche à se protéger. Sinon, elle pourrait couper le pont, définitivement. Et puis partir. Ah. Elle se cherche. C'est une grande fille. Et puis une belle fille d'ailleurs. Elle va à l'aventure. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle coupe avec vous définitivement. Mais elle est en train de chercher une solution pour voir si c'est vrai ou pas. Je pense bien, c'est ça? Oui. Oui, pour voir. Voilà. Maintenant, ce n'est pas dit non, tu l'as abusé. Non, elle a eu une révélation. En temps normal, ceux qui n'ont pas le don comme moi, tu es sorcier. Devant eux, tu es sorcier. Parce que tu as cet habit de sorcellerie sur toi. On te prend pour aller faire la sorcellerie. Bon, c'est tout à fait normal. C'est comme quelqu'un, je n'ai pas un exemple banal pour que vous puissiez comprendre, quelqu'un s'habille en treillis, il a un pistolet. Le premier réflexe, il est policier, n'est-ce pas? Il s'habille, nous dit, il est policier. Oh, il n'a pas. C'est ça quand tu as vérifié sa carte, tu as dit, ah, monsieur, donc tu nous blaguais ou bien? Tenis, les avait peur, il commençait à trembler. Oh, il était en train de trafiquer les gens. Donc c'est un peu comme ça. Donc c'est normal que la fille ait peur de sa maman. Parce que maman mange. Maman sorcière peut manger. Tu es mangé toi-même là, tu as beaucoup de chair. Ça, c'est peut-être deux jours, trois jours. Dans la sauce, elle a été braisée un peu, petit Goujama. Yako,
Tu as vu, c'était vraiment important, cette réconciliation d'une famille qui était déchirée par une formation de la sorcellerie. Voici le travail qu'on a fait. Non, on ne déchire pas les familles. On ne met pas les familles en difficulté. Mais on leur dit la vérité. Si cette vérité-là doit vous choquer, elle n'a qu'à vous choquer. Mais maman est sorcière, elle est sorcière. Elle n'a qu'à se faire délivrer. La sorcellerie, c'est une maladie. Et si elle n'est pas sorcière, voici ce qu'on fait. Et puis nous, en tant que ministère de la compassion des âmes, on manifeste la compassion. Après l'information que vous avez reçue de la sorcellerie, on les réconcilie. Parce que nous, c'est ça. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est le ministère que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est un ministère de réconciliation. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est quoi? Voilà. Rassurez-moi que elle sera à l'abri de trucs. Parce que je vous connais, vous, mes parents, Djoula. Votre affaire, là, ça finit pas. Ça finit pas. Vous êtes comme les baoulés. Il y a trop de protocoles. Quand vous finissez, vous devez réunir la famille, les comptes rendus à donner, jusqu'à. Ici, là, je pense que quand on va régler ça, il faut que ça s'arrête. Parce que votre maman, elle doit faire une semaine ici. On doit la traiter. Voilà. Il ne faut pas qu'on la détecte en Côte d'Ivoire. Il y a un travail qu'on doit faire, prier sur elle. On ne vous a pas demandé de venir faire comme nous, Jésus. Jésus t'a mort. Mais ce que Jésus t'a mort peut faire là, il va faire. Voilà. Parce qu'il y a ce que vous ne pouvez pas faire, il y a ce que nous on peut faire. On va prier pour toi une semaine. Et puis toi-même, tu seras tranquille. Quand on va te voir, tu seras en paix. Sinon, ça peut revenir. On peut te voir encore en sorcellerie. Et quand tu es sorcier, on doit te rejeter. Normalement, eux, c'est comme ça. C'est nous qui avons éclairé le monde entier. Pour comprendre qu'on peut être délivré de la sorcellerie. Dans un premier temps, les gens ont peur de la chose. Ça va? Comment t'appelles? Bakayoko. Ton papa, là, son papa s'appelle comment? Bakayoko. Je connais ces familles. Comme ça, l'argent va pas loin. C'est comme ça. Hein? Tu as voyé un petit cousin à côté. Il l'a attrapé. Ça se règle ensemble. Ah, c'est ton cousin. Hein? C'est ton cousin, tu as marié. Ah, vous avez vu? Mais ils vont pas loin. Tu peux marier la femme, la fille de ton oncle. Même ton papa. Ben oui, il a fou de ça. Ah, il est toujours courageux. Bon, c'était juste pour s'amuser. C'est la traduction à eux. Et puis, eux, et quand ils croient à quelque chose, c'est comme ça, ils sont très solidaires. Quand ils croient à quelque chose, on ne s'amuse pas à ça. Hein? Voilà, donc Dieu va en train de vous restaurer. Parce que je voyais que c'est en train d'agir fortement dans la famille. Hier, m'a dit que je t'ai dit, quand tu parlais, moi, tu dis, tout ce gars-là, c'est. Ça veut dire quoi? Mais c'est une histoire. Ça n'a pas été facile, et pour moi-même personnellement, parce que c'est effectivement... Vous avez... Ne soyez pas surpris si on vous filme. Nous, on filme parce que rien n'est caché ici. Ça a brisé la famille. Mais comment? Explique-le. Bon, elle a été, ça fait presque 20 ans, on a traité sur ça. Il y a eu quel événement? Bon, l'événement, c'est ce qui nous a vraiment touché, c'est l'événement de Awa même qui nous a touché. Awa a fui même, elle était chez ma petite sœur à Dalwa. Et quand elle arrivait chez ma petite sœur, elle souffrait. Ah ouais, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as fait fuir? On va attendre un peu ça, c'est important. Ce qui m'a fait fuir, un jour, pendant le mois de décembre passé, j'étais couchée avec elle-même sur le lit. Quelque chose a touché mon pied. Une semaine après, son âme est quittée en elle pour venir tirer mes cheveux. Tu as senti? Faut écouter ce qu'elle dit. C'est son visage même, j'ai vu. Le lendemain matin, je me suis réveillée, dit, ah man, quelqu'un a pris ton visage dans l'eau pour venir tirer mes cheveux. Très bien. Je ne suis plus retournée jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Elle dit, quelqu'un a pris ton visage. Elle t'a pas dit ça? Oui, il a dit. Très bien. C'est pour cela que le dossier, là, il faut que ça soit bien réglé. Regardez comment elle-même, elle a d'abord abordé le sujet en parlant à sa maman avec beaucoup de respect. Il y a d'autres, quand ils voient ça en même temps, paient des chaussures sur toi et quitte. Chez nous, les bêtises, là. Ça, c'est. Et Kagou. Sinon, on te tape en même temps.
Non, sans la chercher trop vite. Hein? Quand je lui ai dit ça. Que son âme, tu as senti que son âme s'est passée je, comment? Quand j'ai fini. Et puis d'ailleurs, c'est parce qu'elle aime sa mère qu'elle dort avec sa maman. Oui. C'est laquelle elle aime? C'est laquelle elle aime de. J'avais confiance en elle. Très bien. J'avais confiance en elle. Ça après. Mais c'est la raison pour laquelle tu. Quelqu'un m'appelle sur mon portable à 20h. Ah ouais, si tu ne sors pas, ta maman va te tuer. Je l'ai laissé au quelqu'un salon. Quelqu'un de t'appeler. Quelqu'un m'appelle. Un inconnu. Je ne connais pas la personne. Très bien. Vous voyez un peu la mise en scène de la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Vous voyez pourquoi Dieu. Il faut écouter Dieu. C'est pour ça que Dieu m'a dit d'aborder le sujet. C'est comme ça. Un homme de Dieu doit écouter la voix de Dieu. C'est pour ça que hier, j'ai bien écouté la voix de Dieu. Puis Dieu dit, aborde-moi, touche-moi ce sujet. Il est vraiment très important. Allons-y. Quand je lui ai dit ça, je ne lui ai pas dit. Tu as commencé à avoir peur. J'ai eu peur. Je suis sorti, j'ai pris mon portable. J'ai appelé ma mère au courant. Et du coup, quelqu'un vient de m'appeler pour dire, si je ne sens pas, maman va me tuer. Pour vous dire, oh, il ne faut pas croire ça. Bon. Je n'ai pas laissé tranquille. Je fuis automatiquement. Je suis passé à la voie. Je tombe complètement malade dans ça, mais je suis jusqu'à aujourd'hui. Toujours mon corps chauffe. Et puis je sens quelque chose dans mon ventre qui marche. Je suis venu faire 3 semaines ici. Ça allait. Je suis parti. Le jour, je suis rentré à la voie. Le lendemain, le tout marche dans mon ventre. Jusqu'à aujourd'hui. Le tout marche dans mon ventre. Donc je l'ai appelé le jour de la veille. Il dit, hey, man. Aujourd'hui, là. Moi, je peux être ton élément. Je t'ai fait, ouais, tu veux me manger. Elle dit, ah ouais, faut me croire. Je ne peux pas te manger. Ah ouais. Il dit, non, quitte là-bas. Ma grande soeur Adjala, elle a pris le téléphone. Ah ouais, tu t'entends parler. C'est ça ce que tu dis. Il dit, quitte là-bas. Des sorcières comme ça. Puis je l'ai raccroché. Ma tante, elle dit, ah ouais, pourquoi tu appelles ta maman pour l'insulter? Il dit, non, t'as dit, mon cochon, le jus de la fête. Et là, j'ai voulu, et puis je ne peux même pas porter. Je n'ai même pas essayé. Il dit, hey, qu'est-ce que maman qui me fait ça? Je voulais effacer complètement son numéro dans mon répertoire. Donc je l'appelle tout jusqu'à aujourd'hui. C'est lui quand je l'ai vu, même la vue. Je l'avais complètement, je pensais même plus la carte du soir. Ça m'a senti, je ne sais pas. Donc je suis là, ça fait pas. Tu la vois comme ceux qui mangent. La sauce arachide. Un dos. Ça veut dire qu'il y a une raison qui l'a poussé à avoir peur de sa mère. Vous comprenez? Et le con, c'est le dernier, le coup de fil qu'elle a reçu. D'abord, il avait commencé à avoir la peur et la confirmation. Vous voyez comme la stratégie du diable. C'est pour ça que par moment, il faut avoir le discernement. C'est très important le discernement. Déjà dans la maladie, elle a commencé à prendre du recul, elle a compris qu'elle était en danger, il fallait fuir. Mais comme je disais tout à l'heure, je confirme que votre maman n'est pas sorcière. Voilà, on prend son visage pour faire la sorcellerie. Et tu l'avais déjà dit, quand tu as vécu l'événement, ça c'était déjà clair, que quelqu'un prend ton visage, et c'est possible. C'est pour cela qu'à un moment, avant de dormir, pour ceux qui sont chrétiens, le psaume 4, verset 9, je me couche, je m'endors en paix, car éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, ok? Et si vous êtes peut-être à l'étranger, prenez de l'huile d'onction, mettez ça sur vous. Ça, c'est très, très important. Amen. Tu seras délivré dès aujourd'hui. Tu as compris? Je pense que tu as pardonné ta fille. Oui. Je pense que la fille, elle était vraiment déboussolée. Elle ne savait pas où mettre la tête. Elle était en quête de protection. Voilà, donc sa première chose, c'est d'être agressif. L'agressivité pour rester dans son coin. Voilà, donc, mais ce n'était pas une solution. Et je pense qu'il faut que la famille soit unie. Le diable, il divise pour régner. C'est comme ça, lui, il travaille. Il est très stratège. Il divise pour régner. Moi, je vais m'occuper de toi. Tu as compris? On va l'aider. Je ne dis pas ça devant tout le monde. Ce qu'il a promis faire pour toi, je ne dis pas ça.
Parce qu'il y a RFI ici, il y a France Bocard. Il ne faut pas avoir un mot de partage ailleurs. On va parler sérieusement avec la famille et puis on va l'aider. Hein? On va l'aider, on va la suivre et puis il faut que vous deveniez un. Voilà. On est plus fort qu'on est, on est un. Mmh. Comprenez? Voilà. Rassurez-moi que elle ne pourra pas, vous ne pouvez pas la mettre fauteuil blanc pour dire venez, demandez-lui, on allait chez le prophète. Vous voyez, on dit des débats sociaux, vous m'avez accusé quand. Ah, c'est nous bêtés là. Ça, c'est pas le problème, hein. C'est le problème, hein. Heureusement, il faut qu'on la protège aussi, qu'on l'aide. Également, si la maman a besoin aussi d'affection, elle a besoin aussi qu'on l'aide aussi sur tous les plans. Voilà, donc on va vous aider par la grâce de Dieu. Mais le mal, pas aujourd'hui. La sorcellerie, le diable a menti. Après, on va se voir. Il y a des choses qu'on peut dire en public, il y a des choses qu'on dit à huis clos. Voilà, parce que maintenant j'ai compris, c'est pas tout. Comme je suis suivi sur le plan international, il y a des informations que je donne plus trop en direct. On va à huis clos, puis on va parler. Mais aujourd'hui, que Dieu vous protège, hein, que le Seigneur vous accorde longue vie et devenez un. Voilà, devenez un. Que Dieu vous donne l'argent, puis donnez-nous aussi. Si Dieu vous donne, parce que vous savez chercher l'argent. Ceux-là, ils connaissent comment chercher. Nous, on cherche, c'est pour aller boire Bangui. Chercher des œuvres, et ils savent chercher l'argent. Que le Seigneur vous protège. La puissance de Dieu. La puissance. Le mal va partir tout à l'heure. Maman, tu t'arrêtes. Je vais régler ton problème. La puissance de Dieu. À l'entendre de la délivrer d'un esprit. Ils ont mis un serpent mystique en elle. C'est en train de détruire sa vie. Ça suit son sang. On va détruire ça. Comme feu consume tes œuvres. Consume. Son ventre par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Tu la libères et maintenant même. Relâche-la. Relâche-la. La puissante main de Jésus-Christ te délivre ce soir au nom de Jésus. Mon Dieu te libère et mon Dieu te restaure. Sors et tu libères son corps dans le nom de Jésus. La puissante main de Jésus-Christ te délivre. La puissante main de Jésus. Cette porte d'entrée, tu dégages de son corps. Tu la libères dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. La puissance de Dieu. Jésus, ce soir. Comment? Allez. La puissance de Dieu. Allez là. La puissance de Dieu. Comme puissance de Dieu. Chérie!
Péché de prier pour un musulman. Si un musulman voit ça comme un péché, c'est que lui-même a un problème. C'est quand vous partez dans une clinique et le médecin, lui, il est chrétien et tu refuses qu'il te fasse une injection. Ça veut dire toi-même, tu as un problème. N'est-ce pas? La religion ne doit pas avoir un obstacle par rapport à une délivrance, une guérison. Elle a besoin d'être délivrée. Vous voyez comment la puissance de Dieu entend de la délivrer? Ça n'a rien à voir. Je ne fais pas des Jésus ta, Moussou, mais Jésus ta, mais je suis en train de la délivrer. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit délivrée. Pour que la paix s'installe dans la famille. Voilà. La puissance de Dieu. Bam! La puissance de Dieu. Il y est là encore, il y est là encore, bon, on n'a pas mon aller. Non, mon souillant, on bien mon laca, on n'a pas oublié. Il y a la grande, 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 il y a la gr
N'ayez pas peur, on va tout nettoyer. Hein? On va nettoyer tout le gnani, 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 gnani. Dieu a quelqu'un, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Dieu a quelqu'un, Dieu est puissant. Comment tu te sens? Explique comment tu te sens. Lève-toi, lève-toi. Très bien. Hein? Lève-toi comme ça, regarde, tu parles. J'ai senti le serpent. Maman, viens. Hein, tu as senti quoi? J'ai senti le serpent tourner dans mon ventre. Le serpent tournait dans ton ventre. Et puis? Et puis, tu n'as plus senti. Tu as le pied. Tu es remonté. Donc, tourner. Et puis, ça passe. Et puis, c'est parti. Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai avec moi, tout juste à mes côtés, une maman et sa fille qui sont venues pour sa délivrance. Nous allons leur arracher quelques mots, savoir qu'est-ce qui se passait dans leur maison avant qu'ils n'arrivent ici. Je te présente, oui. Nous, c'est Mareko Awa. Ok, Mareko Awa, et c'est la maman qui est là. Mareko Brassi. Ok. Qu'est-ce qui se passait dans la famille avant que vous n'arriviez ici? Comme l'a dit la dernière fois, mon maman, elle dit depuis 20 ans, ouais. Ça fait 20 ans aujourd'hui, mais nous, on n'était pas au courant. Ouais. C'est en 2014 que moi a commencé. Ouais. Et en 2016. 20 ans de quoi? Il y avait 20 ans que les gens la traitaient de sorcière. Oui, ça fait 20 ans qu'on la traitait de sorcière. Ça veut dire qu'on la voyait à tout moment. Mais il paraît que ça, peut-être sa famille n'était pas au courant. Puisque dans sa famille même, personne ne parlait de ça. C'est. Après quelques années, ça a pris. C'est rentré dans la famille. Mais malgré, quand c'est rentré dans la famille, moi je ne croyais pas. Moi je ne croyais pas. Et puis je ne faisais pas attention à tout ça. Okay. Et maintenant, après, comment toi-même tu as su qu'elle était dans la société? Comment, qu'est-ce qui t'a poussé à dire qu'elle était dans la société? Moi, c'est en 2014, eux me poursuivaient dans les rêves. Et puis, comme je ne me cache rien, chaque fois tu lui disais. Je lui disais, il dit, moi, c'est ça, je lui disais. Après, je passe dessus. J'étais bien, bien en forme, mais je faisais mes trucs dessus. Ouais. C'est en 2016 maintenant que j'ai vu le visage de la personne. Tu as vu le visage? Dans le songe. C'était quel visage? C'était le visage de ma mère. Le visage de ta maman que tu as vu dans le songe. Et qu'est-ce que ce visage faisait dans le songe? Dans le songe, la personne elle a tiré mes cheveux. Et le lendemain, je ne me suis plus retrouvée jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tu t'es plus retrouvée. Donc toi aussi, tu as commencé à croire qu'elle était. Tu t'es convaincu qu'elle était dans la sorcellerie. Oui, parce que je la voyais. Qu'est-ce qui se passait en toi pour que tu l'accuses comme ça? Depuis que tu as vu la personne prendre ton visage, peut-être le visage de la maman pour venir t'attaquer, notamment. Et toi aussi, comment tu t'es senti depuis ce jour-là?
dans ton corps. Dans mon corps, je me suis sentie mal. Mal. Parce que elle aussi va se lever pour tirer tes cheveux. Est-ce que tu vas te sentir bien? Ouais. Tu n'as pas bien te porter. Donc, je l'ai accusé. Tu l'as accusé aussi. Je l'ai accusé. Mais le premier jour, je lui ai dit, ouais, il dit, moi, quelqu'un a pris ton visa. Ouais. C'est pour ça que je me dis, ouais, quelqu'un. Quand j'ai reçu un appel pour dire, si tu ne sors pas, ta maman va te tuer. Donc, je me suis dit, ma maladie là, donc ça a pris ce gars-là alors. Oui, quelqu'un a appelé. Quelqu'un, mais je ne savais pas. Je ne sais même pas. Tu ne connais pas la personne. Je ne connais pas la personne. La personne t'a appelé pour dire c'est ta maman qui est à la base de ton malheur. Que si, si tu ne sors pas de la ville, ta maman va, ta maman te, va tuer. Te tuer. Okay. Donc je me suis dit, je suis à la maison chaque jour ici. Qui sait en ville là-bas, dans la ville de Ségala, que moi je suis malade. Oui. Ségala, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Il dit, mais qui c'est ça? C'est du chéri. Attends, je vais sortir. Elle était assise au sac. Je l'ai dépassé, je suis passé dehors. Vous rappelez le numéro, la personne n'a pas dit. Le numéro ne passait plus, la personne n'est plus. Le numéro passe, a sonné, la personne n'a pas décroché. Donc j'ai appelé automatiquement ma grande soeur. Il dit quoi? J'ai reçu un appel tout de suite. Il me dit, ah, si je ne sors pas dans la maison, maman va me dire, oh non, il ne faut même pas croire tout ça. C'est faux. Il dit, ah, c'est toi que tu vois, parce que moi je vois. Moi je crois. Il dit, non, quand j'ai vu son visage, je ne croyais pas. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Après ça, je suis sortie dans la ville. Ouais. Quand je suis sortie dans la ville, je suis venue à Daloa. Après, je suis retournée à Ségala pour aller voir un marabout. Un marabout. Un marabout. Le monsieur m'a dit, ah ouais, tu es attaché. Tu es attaché. Sérieusement même. Voilà pourquoi le songe que tu as fait là, j'ai analysé et j'ai vu que tu es attaché dans la sorcellerie. Ouais. Donc ils vont te manger. Ouais. C'est le marabout. C'est le marabout qui m'a dit ça. Ouais. Ils vont te manger. Je suis attaché. Ouais. Je suis enfermé. Tout est bouclé sur moi. Tout est bouclé sur toi, oui. Il dit, bon, c'est qui? C'est ta propre mère. Et le marabout confirme que c'est ta propre c'est mère. Que c'est ma propre mère. Alors que toi, tu l'avais déjà vu. Je l'avais tu avais déjà vu son visage dans le sommeil. Il dit, voilà. Il dit, c'est vrai ce que tu as dit. Donc, du coup, le marabout, il se joint à toi. Ça te donne la conviction que ta maman est véritablement dans la sorcellerie. C'est qu'il a quitté ce gars-là. Le même, je me suis retourné sur la main. Et comment tu t'es retrouvé ici? Je me suis retrouvé ici. C'est ma tante qui est restée aux États-Unis qui m'a appelée. Elle m'a dit, ah ouais, va voir le prophète Joël Crasson. Ouais. Il est bon, il est où? Elle dit, ah, c'est que celui il est en Côte d'Ivoire là-bas. Il dit, ah, il est d'accord, je vais rentrer sur le fils et je vais le voir. Ouais. Donc j'ai tapé le nom, j'ai dit, monsieur, il est tenté d'amener le monsieur en robe noire. Est-ce que c'est ici? C'est pas au Nigeria là-bas, c'est robe noire. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un ici. Ouais. Ah ouais, en tout cas. Donc j'ai mon nom qui était avec nous la dernière fois. Ouais. Il a dit, ah, va faire un tour là-bas. Va faire un tour. Va faire ton père. Et c'est comme ça que tu es venu ici. C'est dans ça que je suis venu ici. Okay. Je n'ai même pas dormi la nuit. J'étais tellement pressé. Et c'était même de voir la vie de Divomé et croiser. Tu es venu seul ou bien? Je suis venu seul. Le lendemain, je me suis réveillé à 7-6 heures. C'était ma première fois de mettre pied à Divomé ici. Et la maman, comment elle s'est retrouvée ici? Maman, ça n'a pas été facile. On était obligé de botter un coup. Parce qu'à la voir, elle est musulmane. Donc elle ne croit pas à la religion chrétienne. Même le jour où elle a mis pied dans le centre ici, là, elle ne savait pas ce qui s'est passé. On ne lui a rien dit. Mon oncle m'a approché. Ah ouais, fais-moi ça. Je sais que tu es fâché. Garde ton calme. Reste tranquille. Tu es en train de dire petit. Mais malgré ça, je ne riais pas avec elle. C'est la nuit quand le prophète l'a appelée. J'étais tellement pressée. On dit d'aller mettre ma bouche dans l'oreille du prophète, mais pour dire, ah, il faut attraper la dame. Parce que voilà, c'est pour cela que je l'ai fait venir à dire aussi. Pour l'attraper. Je n'ai pas menti. Quand le prophète a dit, viens, lève-toi. Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Tu as crié. J'ai crié en même temps. J'ai déposé ma main. Est-ce que le prophète vous avait déjà reçu avant? Jamais. Le prophète est venu la dernière fois qu'il était au stage. Le prophète m'a pas reçu. Quand il montait dans sa voiture, je l'ai appelé mon Seigneur. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais rester. La secrétaire m'a dit, on va faire le secrétaire. Et j'ai mis un prier. Il dit, le jour où le monsieur va arriver, monsieur, la première personne qui va se prendre, c'est ma tête noire à la main. Ça, c'était dans ta prière. C'était dans ma prière. Effectivement, Dieu l'a fait. Je dis merci à Dieu. Dieu l'a fait. Comment Dieu a fait? Comment Dieu a exaucé? Dieu l'a révélé. Et puis, le prophète nous a appelé. Je ne connais pas son numéro. Je l'ai vu comme ça, mais pour dire bonjour, papa. Le prophète m'a appelé. J'étais tellement
content. Et puis, surprise même, vraiment. Je... Elle me dit quoi? Parce qu'on ne peut faire la paix. Elle me dit, toi, c'est à cause de ça. J'ai dit, oui, c'est à cause de ça. Quand tu me crois, maintenant, j'ai dit, oui, je te crois. Puisque le prophète a dit que tu es habillé. Donc, ça veut dire que tu n'es pas. Tu es habillé, on prend ton visage pour aller faire la sorcellerie. Je lui dis, ah, faut m'excuser. Même le jour même, je me suis mise en genoux devant elle. Parce que je l'ai insulté, ça, c'est mon Dieu. J'ai pris le téléphone. Le jour des ramadans, j'ai crié sur le téléphone. Il dit, tu peux me faire ça. Tu l'accusais déjà, puisque toi-même tu l'avais déjà vu en songe. Et ensuite, les marabouts ont confirmé que c'était elle qui était à la base. Donc toi-même, tu étais déjà découragé. Tu avais déjà une idée arrêtée sur ta maman. Voici un peu ce qu'on appelle les ruses du diable. Et aujourd'hui, voici, depuis que vous êtes là, comment vous vous sentez? Après, tu sentais un mal aussi. Quel a été le soutien du prophète? Aujourd'hui, comment tu le sens? Je me sens que ce qui était dans mon cœur me quittait, donc je me sens bien. Elle aussi, elle n'arrivait pas à dormir, puisqu'elle avait perdu une fille. Et si le prophète ne parlait pas la dernière fois, ah, elle n'arrivait pas à me retrouver d'elle, ça seulement. Alors, non seulement le prophète a joué un rôle de réconciliation, et puis aussi, elle a fait la délivrance de la famille. Aujourd'hui, la famille, je ne peux pas mentir, la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, Awa s'entend bien avec sa maman? Awa s'entend bien avec sa maman. Est-ce que le premier amour qu'elle avait pour sa maman est là aujourd'hui? C'est parce que je n'ai pas l'argent. Sinon, s'il y avait l'argent, j'allais la faire partir à la maître pour me faire pardonner. Voilà, j'allais le faire. C'est parce que je me fais pardonner, parce que je l'ai insulté. Je ne peux pas mentir. Quand je finis de l'insulter, je pleure. Quand tu dis, Awa, tu pleures. Si j'avais le moyen, j'allais le faire. Le deuxième nom de Dieu, comme c'est le temps. Amen. Amen. Ok, voici, c'est bien clair, ça a été bien dit. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'un prophète prophétise la paix, c'est-à-dire s'il joue un rôle de réconciliation, un rôle réconciliateur dans une famille, c'est par l'accomplissement de ce qu'il dit qu'on les reconnaît comme véritables envoyés de Dieu. Donc voici le rôle qu'a joué le prophète. Non seulement il a délivré l'enfant, la fille qui était véritablement envoûtée, la fille qui avait un serpent mystique dans son ventre qui tournait dans son corps et qui l'empêchait même de vaquer à ses occupations. Et la maman aussi qui était accusée d'être sorcière, la voici aujourd'hui. Le manteau de la sorcellerie qu'on lui avait porté est tombé grâce bien sûr à la délivrance que Dieu lui a accordée à travers le serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasso. Donc aujourd'hui, voici la paix, la joie qui est revenue dans la famille. Voici le rôle que le prophète joue. Voici un peu le travail qu'il fait. Shalom et que Dieu vous bénisse.